pays occitan l'attendait. Le rendez-vous était pris depuis le début de la saison. La 38e journée devait accoucher de ce Toulouse-Bordeaux. Et pour la première fois depuis une vingtaine d'années, eh bien, ce match revêt un enjeu capital, puisque c'est tout simplement d'Europe dont nous parlons, Philippe. C'est vrai que honnêtement, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu une ambiance aussi phénoménale ici au Stadium. Oui, déjà beaucoup de vibrations. J'espère qu'il y aura beaucoup d'émotions dans ce match. C'est génial de pouvoir disputer sur un match une éventuelle qualification pour la Ligue des Champions. C'est peut-être un petit miracle pour Toulouse, mais c'est la réalité. Donc j'espère qu'il y a évidemment cette grosse rivalité entre ces deux clubs. J'espère que ces joueurs vont se lâcher, vont être conquérants aujourd'hui. Libo parle d'équipe affamée. J'espère qu'ils seront tous les deux affamés, notamment offensivement, et qu'il devrait y avoir du joli spectacle. Oui, on en reparlera tout au long de cette rencontre, Philippe, parce que la semaine a été émaillée d'événements divers et variés, on va dire, dans la coulisse. Vous le voyez, la poignée de main entre Eli Bop et Ricardo, les deux entraîneurs. On va suivre, bien sûr, Johan Elmander du côté toulousain. Il n'a plus marqué. C'est qu'ils sont hyper performants dans la récupération du ballon et dans la duel défensif notamment. Mais on voit qu'ils ont une vraie volonté de... Le coup franc. Il va frapper Wendel. La frappe directe de Wendel. Oh, et c'est au fond avec ce ballon qui flotte, et voilà l'ouverture du score. Elle est signée Wendel, elle est en faveur des Girondins de Bordeaux et ça fait 1-0. Repoussé par la défense bordelaise, Siriek qui s'est battu pour récupérer à nouveau. Et Paulo César pour la deuxième chance, le centre de Wendel. Et l'égalisation de Johan Elmander, le Suédois muet depuis le 1er avril qui vient égaliser, faire se lever les 35 000 personnes de ce stadium. La joie d'Eli Bob, ça fait un partout. En Ligue 1. Ce centre, oh, yeah. Et le deuxième but. Le doublé signé Johan Elmander. Le Suédois, la coqueluche du stadium, qui va tout de suite dans les bras de son staff. Toulouse mène 2 buts à 1, le doublé pour Johan Elmander. Quel match. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet, voilà. Le bon ballon pour Emana, pour Elmander, la frappe d'Elmander. Ça fait 3 buts pour Johan.